Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un colis de chez Candysan dont j'ai passé commande il n'y a pas très très longtemps et on va ouvrir ça ensemble. Donc voilà à quoi ressemble mon petit colis Candysan. Donc je tiens à faire une petite parenthèse, à savoir que dans le colis, c'est l'avantage de Candysan, c'est que on a un récap de ce qu'on a commandé sur l'étiquette, la petite étiquette verte que l'on peut apercevoir. Et en fait, tout simplement, j'ai 5 trucs, c'est la nourriture, mais je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé. Et 8 sont des gachapons. Donc on va ouvrir ça ensemble et ça te permet en fait de savoir ce qui va arriver sur mes chaînes. Petite parenthèse là-dessus, je tiens à préciser que je ne me rappelle pas tout simplement parce que d'habitude, ça m'est à moi arrivé. Sauf que là, j'ai commandé juste un petit peu avant les fêtes et ça a mis du retard. Parce qu'à savoir que j'ai commandé le 12, c'est parti le 23. Alors j'ai commandé le 12 au soir, hein, donc il faut compter le 13 décembre. Et on est le 1er février, je viens de le recevoir. Voilà, je m'y attendais, je savais que ça aurait du retard. La commande, enfin la livraison rapide, on prend la livraison basique, c'est un peu plus long. Moi ça a toujours mis à peu près un mois, voire un tout petit peu moins. La seule fois où il y a eu une fois du retard, c'était parce qu'il y avait eu la grève au Japon. Ou en Chine, je sais plus, il y avait une grève de la poste là-bas. Donc forcément, ça avait ralenti l'ouverture des colis. Enfin la réception des colis. Hop. Donc à chaque fois qu'on ouvre le colis, on se retrouve avec une petite feuille pub de Candysan. Je te remonte parce que ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'ouverture Candysan sur ma chaîne. On a toujours des trucs comme ça pour protéger, toujours toujours. Et s'il y a par exemple comme des canettes que j'avais déjà commandé une fois, j'avais commandé des canettes, elles sont emballées comme là. Là par exemple j'ai un dorayaki, donc j'ai déjà fait une vidéo dégustation de 3 dorayaki différents. Et j'ai mes dorayaki qui sont dedans carrément. Voilà, j'ai mon petit dorayaki qui est protégé. Donc ça, je trouve ça juste trop top. Et même quand c'est que de la nourriture, parce que là, moi, j'ai acheté des gachapons. Donc on pourrait se dire, ouais, mais t'as acheté des gachapons, donc forcément, ils ont protégé. Non, non, même si t'achètes que de la nourriture, t'auras au moins la couche de dessus et de dessous. En fait, le contour de ton carton, l'intérieur de ton carton sera au moins protégé un minimum. Même si c'est que de la nourriture, parce que quand j'ai fait les... le concept où on pouvait avoir le pack découverte, chercher le nom, et ben pareil, c'était aussi protégé. Donc là, voilà, par exemple, mes dorayaki sont protégés. Je pense que là, ça a été protégé, surtout parce qu'il y avait des gachapons avec, et c'était pour éviter peut-être qu'ils s'émiettent. Mais je trouve ça top. Donc voilà, donc j'avais pris que des dorayaki, donc c'est pour ça. Voilà, donc hop, tu vois encore mes dorayaki, j'en ai pris 5. Avec, à chaque fois qu'on dit ça, on rajoute toujours des petits trucs en plus. Alors... il se peut que ça soit de la nourriture. Il y a eu des fois, moi, au tout début, où j'avais eu carrément des gommes. Tu sais, les petites gommes comme ça, en fait. Ça, c'est une abonnée qui me l'a envoyé, mais c'est pour t'aider une idée. Et des fois aussi, il te glisse donc de la nourriture. Donc, ça dépend. Franchement. Donc là, j'ai eu un petit truc comme ça que je vais goûter lors d'une vidéo. Parce que je récupère tous les petits trucs comme ça de Candysan qui sont en train de m'envoyer dans mes commandes actuellement. Pour en faire une vidéo. Et là aussi j'ai un fruit dung donut. Il y a un jeu de mots je crois. Moi comme voilà, bref, toujours est-il que ça je les testerai lors d'une vidéo dégustation spéciale. Est-ce que Candysan essaye de m'empoisonner comme j'avais fait? Est-ce que mes abonnés cherchent à m'empoisonner? Voilà. Et donc je te montre vite fait mes petits gachapons qui seront du coup pour une vidéo ouverture. Donc il y en a 8, je pense que du coup j'en ai fait un de plus. À chaque fois j'en commande toujours un de plus pour avoir une chance de plus d'avoir un double. Et ça devait être une collection de 7. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je le redis au cas où pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est tout simplement que vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à me rejoindre depuis ma dernière vidéo Candysan, enfin ouverture de colis Candysan, et je me suis dit ça pourrait être quand même sympa que je te remonte vite fait comment sont envoyés les colis, comment sont envoyés les produits, t'en reparler, etc. Sachant quand même que j'ai fait pas mal de commandes chez eux et que je connais un petit peu quand même le site. A savoir bien entendu que dans la barre d'infos de toutes mes vidéos, de toutes mes chaînes, tu as un code pour avoir moins 5% sur tes commandes et c'est à partir de la première commande, donc voilà, et c'est à vie. Voilà, c'est à vie. T'as juste à cliquer après à chaque fois pour activer ton code parrain et c'est à vie, tu peux avoir à chaque fois moins 5% sur ta commande. Alors toi ça te fait moins 5% et je te le dis, mais à chaque fois que toi tu passes une commande, moi ça me rajoute 1 € fictif que je peux directement réutiliser sur le site. Ce n'est jamais de l'argent qui me revient par exemple dans mon compte bancaire, je tiens à le préciser. Mais c'est grâce à cet argent là fictif que je peux aussi refaire pas mal de commandes. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai pu faire des commandes grâce à vous. Parce que bah, j'ai réussi à atteindre un certain budget au fur et à mesure
depuis 2014 et j'ai pu faire beaucoup beaucoup de commandes grâce à vous, donc je tenais aussi à vous remercier. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, je tiens à le dire au cas où, mais bien entendu je vais pas tarder à refaire une commande Candy San spéciale pack découverte et une où j'aurai commandé moi-même, j'aurai choisi moi-même les produits. Et donc sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt !